conseil. Bonjour, bonjour, bonjour à tous, à toutes, qui écoutez Fréquence Paris Pluriel sur le 106.3 MHz pour l'émission Construire comme tous les dimanches. Faut pas que je parle trop vite parce que j'avale les mots et personne ne comprend rien. Alors je recommence, comme tous les dimanches, de 18 à 20h pour l'émission Construire. On retrouve en direct sur rfpp.net pour les gens qui sont hors de la région parisienne, à Épinal par exemple, ou Strasbourg, des choses comme ça. Et aussi sur construire.net pour toutes les archives et aussi pour l'écoute en direct. On vient d'écouter un groupe qui s'appelle Strigning, qui est sorti des années 70-80, pour un morceau qui s'appelle EXBX et un voyage au bout de l'ennui dont il parle dans la chanson, un peu ce qui a rapport avec l'émission, puisqu'on reçoit aujourd'hui une équipe de gens qui tournent autour des cadavres et autour d'un bouquin aussi qui s'appelle Voyage au bout de l'ennui ou Les chroniques de la camionnette, fait par un certain Philippe Vérole. Donc il y a pas mal de personnes qui sont là ce soir parce qu'il n'y a pas que le bouquin, il y a aussi un live des cadavres qui sort, dont on va un petit peu détailler les choses. Et puis je ne sais pas comment appeler ça, des concerts de cadavres où il y a juste, ça fait un peu bizarre, il y a juste le chanteur et il y a des petits jeunes derrière qui l'accompagnent.
En fait, vous avez pas de nom. Donc, bonjour à vous, qui es-tu? Oui, bah, Vérole, bonjour. Vérole. Philippe, on apprend ton prénom, hein, quand C'est même. mon vrai prénom, oui. Ouais, en C'est pas plus. mon vrai nom de famille. Vérole, c'est pas ton vrai C'est nom de famille. décevant, hein. C'est dommage. Non, mais on le C'est dira pas. Vérolino, je suis d'origine italienne. ouais? Non, c'est ça mon vrai nom, Filippo Vérolino. Benvenuti. Benvenuti à qui d'autre? Bad-bat. Bad-bat. Ouais. On a... Alors, j'arrive de l'est de la, de l'est de la France. Voilà. Et je suis aussi. Je joue dans un groupe qui s'appelle Diego Palavas. Voilà. D'accord. Bien connu sur la scène. Un petit peu. C'est Et tu es là pour quoi alors? Alors, je suis... Pas pour Diego Palavas. Non, je suis pas venu ici pour Diego Palavas. En fait, je suis venu pour participer au truc, donc avec Vérole et avec les autres qui vont se présenter derrière. Voilà. Ouais. Ensuite. Eh ben, salut, moi c'est Till. Lui, c'est son vrai nom par contre. C'est son vrai nom. Vrai, et en plus, nom, ouais. C'est ton vrai. Bad, c'est pas ton vrai nom quand non, même. Non, moi c'est Baptiste. Ouais, vaut mieux Bad, Baptiste Gomez. Et du coup, moi, je suis là d'une part via Guerilla Asso, ouais. Le label dont je m'occupe, qui sort le fameux livre dont tu viens de parler, en coprod avec plein d'autres gens. Mmh. Et le disque également, qui accompagne la sortie du livre, qui est un live des cadavres de l'époque, qu'on sort en vinyle. Et du coup, également, je vais jouer de la guitare dans ce récital de chansons des cadavres chantées par Vérole, où Bad Bad joue aussi de la guitare, et où Fab de Justine, qui n'est pas avec nous là, mais ouais. Fait la basse. D'accord. Et Paul, qui est également batteur de Guérilla Poubelle, guitariste de Stigmate, etc., fera la batterie. D'accord. Pour compléter ce line-up de copains. Ouais. Qui n'a pas de nom alors On a appelé ça ouais. Guérilla Asso et Vérole jouent les cadavres. Mais ouais. C'est un peu long pour c'est parler comme ouais. ça, donc on dit les chansons, le truc. Le truc. Doublé-goublé-ga. Ouais. Voilà, et on fait donc ouais. trois concerts uniquement. Uniquement trois concerts ouais. avec cette formation-là, dimanche prochain et la semaine prochaine, et basta. Et basta, dimanche prochain, la semaine prochaine. On essaye de caser le plus de titres de chansons des cadavres dans cette interview. Bah ouais. Ouais. Donc basta, oui, effectivement. Mais juste un truc là pour revenir sur le truc. Il y a trois gros trucs à parler pendant l'émission. Il y a donc les concerts à venir, il y a le live, la sortie du live. Il y a aussi et surtout la sortie d'un bouquin quand même, puisque c'est pas ouais, tous les c'est jours. C'est ça le plus intéressant. Effectivement. Et pour préciser, tu disais samedi, dimanche prochain. Mais j'imagine qu'on peut passer à la fin des présentations. Ah oui, pardon, mais t'avais pas de micro. Il est tellement discret qu'on le voit pas. C'est vrai qu'il est tellement. Quel bel homme. Moi, je suis juste là en décor et je suis ouais. venu juste pour contrôler qu'il ne se dit pas n'importe quoi. Non, puis tu et donc, décores, attends, je m'appelle Chester, de mon vrai nom Jean-Pierre Göring. Et donc, ben, j'ai participé à la création de ce livre aussi. Oui, aussi. Et ouais, j'en fais la couverture. J'ai eu la chance que Philippe choisisse. Un de mes dessins. Philippe, donc, vous l'appelez Philippe maintenant, ça fait un peu bizarre. Ça change. On l'a toujours appelé Vert. Non, mais j'ai l'impression qu'il y a une page qui se tourne quand même. Ouais, il se dévoile, il commence à se dévoiler. Ouais. Une page du bouquin, ouais. Et bientôt, ouais. on apprendra que c'est De Villiers, son vrai nom, en fait. Non, mais de toute façon, déjà, Chester dessinait pour nous à l'époque, en fait. Oui, parce qu'à ouais, la base, ouais. c'est chronique de la camionnette. Mm-hmm. On en sortait quelques-unes tous les mois dans le photocopier qu'on envoyait au fan club pour le Basta, ce qu'on appelait. C'est notre espèce de petit fanzine qu'on envoyait aux gens qui s'inscrivaient. C'était gratuit, ils recevaient tous les mois des nouvelles de l'orchestre. Et donc, à chaque fois, c'était illustré par Chester, en fait. Mm-hmm. Donc, le dessin là, en fait, c'était d'une couverture d'un Basta, mais moi, il illustre complètement le propos, quoi. Ouais, ouais, tout à fait. Vous voyez ça, c'est une camionnette qui s'explose contre un arbre dont on se demande ce qu'il fait là, en plein milieu de la route. Ou alors c'est la camionnette en plein milieu d'un champ. Mais en fait, pour tout dire, je me rappelle très bien de la couverture de ce Basta. Donc Basta, c'est la feuille d'info des cadavres ouais. pour les fans. Ouais. Donc quand les gens venaient au de concert, l'époque. De ouais. l'époque, ouais. voilà. On le faisait. C'est toujours de l'époque, de toute façon. On le faisait avec Jai 77, donc qui lui écrivait tous les textes à l'intérieur. Et moi, je faisais les dessins et l'habillage de la couverture. Et ça, à chaque fois, on prenait une chanson des cadavres, un titre, et je le passais à la moulinette du dessin. Et ça, je me rappelle, c'était pour dernière virée ou un truc comme ça, quoi, je crois, pour la chanson. D'accord. On va faire une petite pause musicale, on va revenir tout là-dessus, on va redétailler un petit peu ce que c'était de l'époque. On va pas refaire l'historique des cadavres, puisque... quand même. Mais on remettra un peu les grosses dates clés, quand même. On va vous passer un petit peu de vieux trucs.
qui viennent de ressortir chez un label qui s'appelle 19 Something. Un label qui a participé aussi à l'édition du bouquin de Philippe Burel. Ouais, alors c'est pas 19 Something, c'est. Pardon. C'est, en fait, Franck qui s'occupe de 19 Something. D'accord, on mélange un peu tout, hein. C'est ouais, compliqué des fois. Ce bon vieux Franck fait en parallèle son. Enfin, faisait surtout avant, mais continue un peu son label Slow Death. Ouais. Qui sort le vinyle dont on a parlé. D'accord. Et la version, on va dire, édition de Slow Death, donc Mort Lente. En français, pour sortir des bouquins, des fanzines, des choses comme ça, participe à la sortie du livre. Donc Franck ne peut pas être là avec nous, mais... D'accord. Voilà, et un second, on peut dire un second label, qui l'appelle 19 Something. 19 Something, qui est plutôt axé réédition de vieux groupes et tout ça, distribution numérique de groupes qui ne sont jamais sortis en numérique. Voilà, on ne va pas trop en parler pour ne pas dire de bêtises à sa ouais. place, mais... Il avait qu'à être là. Donc on va écouter les Soucoupes Violentes qui éditent leur CD d'époque qui s'appelle Dans ta bouche, donc là en format CD, puisqu'il n'avait pas été sorti à l'époque, c'est ça. Si, il avait été sorti mais en vinyle, non, je me souviens plus. Allez. C'est pas grave. Bip, bip, joker. Franck, si t'es dans le train avec ton portable, tu peux nous appeler 01 40 05 06 10 et les autres aussi. On va écouter Hydraulic System, un groupe qui vient d'Angers, qui date des années 80-90, qui est aussi édité chez ce label 19 Something. On revient après, on détaille tout ça. Du coup, comme tu parles d'Angers, qui est le deuxième collaborateur avec Franck, c'est Eric des Tugs, ouais. qui fait 19 Something avec Franck, et donc forcément assez porté sur la scène angevine. D'accord, d'ailleurs, Black et Noir avait sorti Hydraulic System, je crois, en 45 tours en tous les cas. Mmh. Donc oui, c'est des trucs d'époque qu'on déterre un petit peu et qu'on remet... C'est collégial. D'accord. Mais évitez trop le name dropping quand même. Ouais, là, je crois qu'on a perdu déjà la moitié des auditeurs. Prenez un arbre généalogique, vierge, et remplissez-le au fur et à mesure. Voilà. Tu fais mouche, tu cruel à faim.
créer un empire. Tu je l'ai créé à mon fils. Jamais je sans faiblir, jamais je sans rougir. Et jamais je encore jusqu'au jour de ma mort. Vous me trouvez un peu cynique. Moi je ne vis que pour le fric. Comme l'argent ne fait pas le bonheur, je vous soulage de ce Voilà une petite surprise à la fin de cette séquence. Après Hydraulic System et les soucoupes violentes, on a eu... Les rats. Les rats, pourquoi ? Et parce que les rats vont revenir sur le devant de la scène en avril 2017, entre autres. Et puis aussi parce que 19-something va sortir, vient de sortir les trois premiers albums pour l'instant. Et puis après, va en sortir d'autres. Ah, d'accord, ils font, ils font dans la réédition des rats. Donc, De grand dépoussiérage, puisque oui, comme tu dis, ils vont revenir sur scène aussi. Les rats, ils vont faire quelques concerts ce printemps. Mais là, on est avec les cadavres. Donc, les cadavres, nous, on a fait quand même une tournée de reformation à l'occasion de la réédition des albums qui ne sont jamais ressortis. Et ça, c'est grandiose. C'est grandiose. Ouais, c'est vrai. Une belle arnaque de Marsu. Est-ce que les rats auront leur disque ? C'est ça le souci, quoi. Il me semble qu'ils ont été livrés là déjà. Ouais, il y a des mecs chanceux dans le rock'n'roll. On va revenir sur cette histoire du bouquin, on a un petit peu, et on inclura un petit peu quelques histoires, quelques historiques de cadavres dedans. Mais c'est quoi ce bouquin ? C'est la note d'intention là-dessus. En fait, à la base, c'est dans la camionnette, souvent je m'emmerdais. Ouais. J'ai essayé de lire, et en fait, avec les autres, c'est impossible de lire. Quoi. Ouais. Donc, au bout d'un moment, je ne savais plus quoi faire. J'avais un cahier, j'ai commencé à noter ce qui se passait dans la camionnette. Quoi. Mm-hmm. Et puis, je les notais, puis j'ai pris le pli de faire ça. Quoi. Et puis voilà, c'est resté traîné chez moi pendant des années. Et en fait, c'était l'idée de base de ça, c'était de montrer ce que c'est aux gens de faire un groupe. Parce que les gens, ils s'imaginent que faire un groupe, c'est t'arrives sur scène, t'es accueilli à bras ouverts, t'ouvres la loge, c'est rempli. C'est rempli d'alcool, de tout ce que tu veux, ainsi de suite. Non, mais non, en fait, faire un groupe, c'est se casser le cul à 8h du matin quand il pleut, c'est se prendre la tête une demi-heure parce que t'es en retard, charger une camionnette, décharger une camionnette, attendre machin parce qu'il est en retard, attendre bidule parce qu'il est chiant, t'as un mec bourré qui te braille dessus pendant 400 bornes, enfin tout ça. C'est montrer l'envers du décor. C'est pour ça que dans le bouquin, ça parle jamais des concerts. Parce qu'en fait, les concerts, les gens les ont vus, donc c'est à eux de se faire leur opinion. Soit on était mauvais, soit on a pas mal joué, enfin voilà quoi. Mais le concert en lui-même, c'est un concert. Mais tout ce qu'il y a avant, les gens ne voient pas ce qu'il y a avant, et tout ce qu'il y a après, ils ne le voient pas non plus. Ouais. Et c'est cet avant qui m'intéressait en fait, parce que là, on était vraiment entre nous, et des fois, franchement, c'est parti comme ça quoi. D'accord. Et ça se déroule comment ? En fait, tu chroniques chaque route de chaque concert que vous avez fait ? En fait, ça a commencé n'importe où, en fait, ça a terminé n'importe quand, quoi. Ça n'a même pas jusqu'au bout de l'histoire. En fait, c'est juste un passage. Je sais pas, j'avais ce cahier, je notais. Des fois, je l'oubliais, donc je notais rien. Et puis, c'était selon ce qui se passait dans la camionnette, quoi. Si vraiment il n'y avait rien de drôle, il n'y avait rien à marquer. Oui, carrément. Ouais. Et puis des fois, je déprimais, donc du coup, plutôt que de me confier à mes collègues qui ne me comprenaient pas, j'aimais mieux écrire. J'avais l'impression de parler avec un mec intelligent. Au moins, ouais. C'est quand même ponctué d'états d'âme, de références culturelles, historiques, suivant les régions traversées, tout ça, quoi. Puis c'est comme du tourisme. Ouais, puis c'est apprendre quand même au second degré, quoi. Il y a quand même, c'est plein d'humour, quand même. Ouais, mais on se demande des fois si le second degré. Ouais, voilà, c'est assez cynique, quand même. Mais bon, c'était pas spécialement drôle, ce qu'on vivait. En fait, t'as, si tu veux, le concert, t'as une heure et demie, voire deux heures où tu t'éclates,
Tu rentres dans un espèce d'autre truc, dans un autre monde, tu te lâches, quoi. Mais avant d'arriver à ça, t'as 6 heures dans une camionnette où t'as froid, où t'as mal au crâne, où t'as un con qui... Enfin, je veux dire, voilà, c'est tout ça. Où tu t'arrêtes sur les mêmes aires d'autoroute pour essayer de bouffer un truc à peu près. C'est ça, en fait. Ouais. C'est que par rapport au temps passé, on va dire t'as 6 heures de merde pour 2 heures d'amusement, quoi. Ouais, et encore. Ouais. Et encore quand tu t'es mis sur scène. Et tu découvres même pas la ville où tu vas et tu repars. Ah non, on découvre rien. C'était bien. Rien. Bah, je sais pas. Si on connaissait les aires d'autoroute par cœur, même les stations, des fois on les reconnaissait. Mmh. On est déjà venu à celle-là. Ouais, on avait fait nos petits graffitis, nos petites autocollants. Puis ça permettait à certains. Non, après j'avais pensé justement à ça, faire une sorte de lexique touristique des stations-service et des et des aussi tu sais des comment on appelle ça, des espèces de statues qu'il y a sur les autoroutes des fois, l'immense trombone, le truc des Normands, enfin tous ces trucs là quoi. C'est une sorte de tourisme intéressant quoi. Les aires d'autoroute, ça permet à certains de développer leur penchant à la kleptomanie, tu vois, c'est bien. Aussi, c'est raconté un petit peu dans le bouquin. Non, ce que je voulais aussi un peu avant de rentrer dans le fond des choses, c'est que les concerts sont détaillés du 23 octobre 92 au 15 octobre 95. C'est ça. Est-ce qu'il existe d'autres chroniques, d'autres cahiers cachés, carnets oubliés? Non, en fait, avant, j'ai jamais rien chroniqué, puis après, je me suis arrêté parce que j'étais dépité. Et puis de toute façon, bah en fait, on a arrêté la ZIC nous en 96, quoi. Donc il doit pas en manquer Bézef, quoi. Oui, quand même, puisque l'histoire des cadavres s'arrête pas là de 92 à 96. En 96, on arrête. Ouais. Après, moi, je vais jouer avec Infraction. Mmh. Après, on s'est reformé vaguement en 2000, ouais, quand même, pour quelques dates, mais vraiment très peu. Mmh. Et après, on a fait la super reformation pour la ressortie des albums. Ouais. En 2009. En 2009, qui sont jamais sortis. Bon. Qui aurait dû sortir chez Crash Disc, faut le dire quand même. Hein. Ouais. Et puis après, on a réarrêté de nouveau. Quoi. D'accord. Juste un petit truc qui peut concerner les autres. Diego Palavas, Bad Bad pour Diego Palavas, est-il pour Guy Rapo, Belle, entre autres. Et peut-être aussi chez Storm, puisque tu fais peut-être des tournées avec des groupes. C'est pareil, actuellement, dans les camionnettes, c'est toujours aussi chiant. Ça peut se rejoindre des histoires là. Ouais, pour ma part, oui, je me retrouve pas mal. Ouais, mais t'as moins de pénible derrière le dos, toi. Ouais, on a quand même la chance de tourner avec des gens plutôt sympathiques, nous, dans le groupe. Ouais, ça dépend. Et puis les nouvelles technologies favorisent quand même la bulle. T'as 6 heures de camion, t'as un MacBook, tu peux regarder deux films et puis déjà arrivé. Ça peut être un piège, ça. Ah non, moi je regarde par la fenêtre. Ouais. Non, parce qu'il y a les gens avant qui réfléchissaient, comme Vérol, et maintenant qui réfléchissent plus, qui regardent les films. Non, ouais, ou alors tu prends le volant et tu le lâches plus, comme ça au moins t'as un truc à faire. Ça occupe ça. Voilà. Ouais. Bah nous, il n'y avait rien, quoi. Il n'y avait pas de portable, il n'y avait pas d'ordinateur, il n'y avait rien en fait. Il n'y avait que la camionnette. T'es livré qu'à la compagnie de tes. Et il y avait des cassettes. C'est vrai que les prises de tête arrivent souvent fatiguées en retour de concert à 9h de route de chez toi où il y a le truc de trop, je sais pas moi, t'as pris la mauvaise direction par exemple. Ça peut énerver ça. Ça alors t'as joué comme une bille hier soir, c'était un peu mauvais. Ouais. Voilà. Ouais. Ça c'est le sujet qu'on évitait parce que sinon c'était récurrent quoi. le piège aussi c'est de réécouter le concert de la veille rentrant. Ouais. Alors ça c'est... J'avais lu un truc, c'est la Mano Negra qui faisait ça, enregistrait tous les concerts et le lendemain réécoutait sur la route. Bah au moins c'est une bonne école, mais le concert, mais c'est l'école pour. J'ai eu l'occasion de tourner avec certains groupes et j'avais une autre technique. Moi, c'était en fait, j'aimais bien les groupes qui avaient des couchettes dans le camion. Donc, je me cassais la tête avant de monter dans le camion, je m'allongeais sur la couchette et je me réveillais au moment d'arriver aussi. C'est pas parce mal. Parce qu'on te laissait dormir. Oui, c'est vrai. Ouais. Nous, c'était impossible. Celui qui s'endormait, il se ramassait de la bière dans la gueule, il se ramassait des mégots, du feutre sur la tronche, enfin ainsi de suite. Quoi. Ah, c'était un peu les colonies de vacances quand même. Hein. D'accord. Donc tu te retrouves un petit peu seul dans ta tête à faire ces choses-là, essayer d'éviter les... Bah, disons que comme j'écrivais, Alors après, le seul truc que je regrette, c'est qu'il y avait des pages de révolte et que j'ai perdu. C'est-à-dire qu'une fois, j'étais dans un état un peu machin, on m'avait piqué le carnet et les autres avaient écrit les chroniques à ma place. Et c'était de toute beauté parce que alors là, c'est tout juste si quand je respirais, j'empestais pas le camion, enfin c'était à ce point-là quoi. Et en fait, ces quatre pages-là, je les avais balancées, je les avais mis dans un coin, je les ai cherchées au moment de rééditer ça. Je voulais les mettre en annexe, les pages de la révolte. Et en fait, je les ai pas retrouvées. Et ça m'a fait chier parce que c'était drôle quand même. La mutinerie. Ouais, c'était la mutinerie quoi. Là,
D'accord. Juste une petite citation du bouquin avant de passer une séquence, parce qu'on fait une coupure musicale quand même. On va passer les cadavres, Poésie Zéro et puis je ne sais quoi que vous avez amené. Bad Bat, non ? Infraction. Infraction, ah oui, infraction. C'est d'ailleurs un inédit d'infraction qui n'est jamais sorti. Ah, bah ça c'est bien. On a un deuxième album qui ne s'est pas fait. Oui, qui aurait dû se faire chez Crash Disc. Je sais pas. Oui, il y a des chances. Ouais. Il y a des grandes chances, puisque le premier était chez Crazy. Oh bah. Crazy. De toute façon, comme je dis toujours, on ne change pas une équipe type R. Hein. C'est vrai, faut éviter. Ouais. Alors, une petite citation, on a vite fait, page 10 du bouquin, 16h03, pour le concert de Bordeaux. En Bordeaux. 23 octobre 92. La petite citation, c'est « Participer à une aventure collective, c'est renoncer à soi. » Ça... HLM, je te dédicace ce poème en espérant qu'au fond de tes yeux ternes tu puisses y voir un petit brin d'herbe. Hey, il est temps de faire la part des choses. Tu mets dans tes côtes. Va voir ailleurs, rien ne te retient. Va vite faire quelque chose de tes mains.
ne te retourne pas car ici tu n'as rien. Et sois le premier à chanter ce refrain. C'est l'hymne de notre campagne. Crossroy avec les cadavres, autour des cadavres. Mais là, c'était infraction surtout. Et là, c'était infraction qu'on vient d'entendre. Vérol, tu nous as amené ça parce que. C'est une inédite en fait. Ça faisait partie du deuxième album qu'on n'a jamais sorti. D'accord. C'est dommage parce qu'elle est bien celle-là. Elle est un peu chanson-chanson quand même. Ah bah oui. Oui. Ouais. Non. Elle est très, très pop. Ouais, voilà. Ouais. Bah, il y avait tout dans l'album. Bon, là, on va pas passer tout le truc. Une autre émission. Voilà, pour une autre émission, quoi. Ou si l'année prochaine, on fait un autre truc, genre machin truc, joue infraction, toi, comme là. Pourquoi pas. Autour d'infraction, quoi. Même chose. Pourquoi pas, mais on est autour de ce bouquin qui s'appelle Voyage au bout de l'ennui ou Les chroniques de la camionnette. Peut-être que c'est une expérience collective quand même, il y a pas mal de gens qui ont participé à ce bouquin.
en illustration. Il est aussi pas mal agrémenté de pas mal de photos. Mmh. Mais les éditions, enfin les gens qui ont aidé à l'édition, faut quand même peut-être les citer. Ouais. Bah surtout, en fait, au départ, c'est surtout ce bon vieux Christophe Marchand. Christophe Marchand. Ça, c'est son vrai nom, lui, par contre. Ouais. D'accord. Il fait du marchand, là. Non. Et qui t'as fait lire ça, Philippe, il y a... Ouais, en fait, on fait des soirées-jeux entre nous. C'est bon. Et en fait, à chaque fois, il me disait, ouais, c'est con de pas sortir ce truc-là, c'est trop marrant. Hein, c'est... Ouais. Puis, moi, je sais pas, pour moi, ça avait pas une valeur littéraire, tu vois. Je veux dire, c'était plus anecdotique par rapport au cadavre, quoi. Puis à force de dire, ouais, bon, ok, bon, on va le sortir. Et puis voilà. Puis après, donc, Thiel est venu. Puis après, Franck. Et puis Chester. Et puis ainsi de suite. Et puis voilà, tout ça, c'est fait. Je me suis retrouvé à avoir des épreuves à corriger. Enfin, si de suite, parce que évidemment, moi j'avais tout tapé en bloc, truffé genre 10 fautes d'orthographe en 3 lignes, quoi. Ouais, enfin, bien sûr, suite, oui, mais ça c'est habituel, ouais, c'est normal. Puis voilà, dire. Donc après relecture machin, après on a dû sélectionner des photos, justement avec Christophe, on a sélectionné des photos, mais le problème c'est qu'à l'époque, bah, c'était des instamatiques, c'était des trucs. Ouais, parce que les photos sont pas légendées, c'est un peu dommage. Bah, en fait, on trouvait. J'ai aussi des albums photos des cadavres qui sont chronologiques, mais on avait du mal à garder la chronologie exacte des photos qui allaient avec les concerts. Il y en a plein qui sont de la même époque, mais c'est pas exactement les mêmes. Mais... Ouais, mais il n'y a pas de mensonge là-dessus, c'est pas des photos de 2000. Ah bah non. Non, mais en fait, on a pris le parti de mettre des photos qui couvraient à peu près la même période, mais dans n'importe quel ordre, quoi, à peu près. D'accord. De toute façon, c'est toujours les mêmes membres du groupe, hein, à part 2-3 changements. Moi, il y a un changement de batteur, puisque Bertrand est arrivé après. Mm-hmm. Bertrand, c'est son vrai prénom. Hein. Oui, d'accord. Non, mais je précise quand même. Parce que... c'est vrai, il y a beaucoup de surnoms. Sinon, on peut se référer au lexique pour tous ces surnoms. Il hein, y a plein de surnoms de tout le monde. Mais sinon, pour dire, la chose s'est faite très, très vite, finalement, parce que ça fait longtemps qu'on en parle. Mm-hmm. Philippe nous a fait lire aux uns et aux autres. Ça, c'est mon vrai prénom. Voilà. Vérole. Nous a fait lire aux uns et aux autres. Ah, c'est pas ton vrai prénom, Chester. Non, moi c'est Jean-Pierre Göring, j'ai dit tout à l'heure. Ah oui, c'est vrai. Et donc, en fait, on l'avait tous lu, on était tous convaincus que c'était intéressant et que ça devait voir le jour. Ouais. Et par contre, après, c'était les moyens financiers qui manquaient. Mm-hmm. Il y avait aussi beaucoup de relectures à faire, de travail aussi de mise en page. Et ça, on a eu la chance que Franck donc, nous fasse l'amitié de participer au projet aussi et d'être à l'initiative en même temps. Mm-hmm. Et donc, c'est lui qui a tout mis en page, qui a tout maquetté. Donc, bravo à lui, parce qu'il y a une grosse masse de boulot là-derrière. Oui, bien sûr. Ouais. Et puis, nous, on a juste fourni Philippe le texte et puis nous, les iconographies, soit dessins, soit photos. Et puis, il a mis ça à sa sauce, il nous a fait des propositions. Et en juin, on en parlait fermement. Fin août, c'était quasiment bouclé. Et en septembre, ça a été les finitions. Et puis, voilà. Ah, j'aime bien les finitions. C'est rapide. Parce que ça faisait 10 ans qu'on en discutait. Oui, ça serait bien quand même de. Donc, on retrouve au cul du bouquin Marchando Producto. C'est Christophe Marchand. Christophe Marchand. Guérilla Asso, c'est Guérilla Asso. Oui. Slow Def. Morland, pardon. Mm-hmm. Morland. Et puis Valise Production. Oui, c'est l'asso que je monte avec lesquels j'avais sorti les fanzines My Way et Speedball aussi. Et. Et ben, toutes ces associations ont permis de faire ce truc-là. Quoi. D'accord. Il faut savoir qu'en fait, à part Chester, aucun d'entre nous avait d'expérience dans l'édition de bouquins auparavant. Ouais. On a tous fait des fanzines photocopiées en douce au boulot. C'est ça. On a ce type de choses, mais se lancer dans un vrai truc comme ça, c'était un... Ouais. Je pense ça aussi qui nous a retardé longtemps. Ouais. Surtout Philippe se serait jamais lancé là-dedans tout seul. Christophe était prêt à mettre un peu d'argent, à motiver les troupes, mais pareil, il savait pas trop par quel bout prendre tout ça. Et puis, ce qui a un peu relancé, là ça a été effectivement très vite, mais ce qui a un peu relancé, c'est il y a 2-3 ans, donc Fix, le batteur de Justine et de Poésie Zéro qu'on a écouté juste avant, a sorti un bouquin. Hiver à Paris. Tout le monde s'y met. Et c'est l'âge, du coup, peut-être. On s'est dit, et Christophe a vu ça, il dit, ah, mais là, attendez, ils ont fait un bouquin, si eux peuvent le faire, nous aussi, on doit pouvoir le faire. On a vachement demandé conseil justement à Fix, à Canaille Sec, qui a sorti ça. Ouais, et ça a un petit peu accéléré à se dire, en fait, c'est pas juste un, si on faisait ça, c'est on peut le faire. Ça coûte pas si cher. Il n'y a pas besoin d'être une vraie maison d'édition, on peut le faire avec n'importe quel label de punk rock. Il y a juste besoin d'une structure quelconque. Quoi. Puis un numéro ISBN au cul. Voilà. Et puis Franck, sachant très bien faire ces choses de mise en page et tout ça, c'était sauf une énorme césures. Sauf les césures américaines. Ouais. Et Chester, avec son expérience avec les imprimeurs et tout ça, ça s'est très vite accéléré. La seule chose, c'est que moi, je fonctionne à l'ancienne. C'est-à-dire que j'aime bien
aller rencontrer l'imprimeur, voir son travail, parler avec lui. Et en fait, là où j'ai été un petit peu dépassé par le truc, c'est que les autres, eux, ont opté pour les versions imprimeurs en ligne. Ouais, donc, numérique. Ce qui va peut-être nous amener à parler un petit peu de l'impression des photos, quand même. Et, mais c'est vrai que là, on peut faire établir des devis sur Internet. Il y a plein d'imprimeurs. Donc là, c'est PixArt, je crois. Ouais, tout à fait. Et on sait tout de suite combien ça va nous coûter. Puis après, on passe la commande, on l'envoie de version numérique par le net aussi, le bouquin, et on reçoit après les trucs. Donc ça, c'est, je ne fonctionnais pas comme ça, moi, avec Speedball et MyWay. J'aime bien aller voir l'imprimeur, aller voir le résultat en papier avec lui, en parler avec lui. Ce qui m'a permis une fois de voir qu'il y avait trop de trucs qui n'étaient pas bien imprimés. Ouais, tout à fait. Je lui ai dit, tu me refais l'impression. Là, on a une qualité de photo qui est un peu moindre, je trouve. Et on n'a aucun moyen d'aller chez PixArt pour leur ramener le truc en disant, vous nous le refaites et en meilleure qualité. Ouais, après on a pris aussi, je crois, la décision de dire qu'on s'en foutait un peu et puis que qu'on avait envie d'avoir les livres depuis trop longtemps, que maintenant on les avait, on n'allait pas les renvoyer pour les faire refaire. Donc, oui, juste avant une petite séquence musicale, là, quel prix et combien d'exemplaires ? Il y a 140 pages noir et blanc avec une couverture cartonnée en couleur. C'est vrai. Ça, avec cartonné glacé. Ça coûte 10 balles. 10 balles ? Ouais. À la vente. À la vente. Ouais. 10 euros vendus. Ouais. Ouais. On a donc sorti, on va peut-être en parler, un live en vinyle de l'époque qui coûte 10 balles aussi. Si tu achètes les deux, c'est 15 balles. Wow. Donc c'est plutôt une bonne affaire. Et on en a fait 300 et il y en a presque plus. On parlait ce week-end, là, on s'envoyait des mails pour en refaire. Bah, et donc ça se trouve sur les divers stands de tous nos labels, groupes. Oui, il n'y a pas de distribution autre. Non, on a pris le parti de faire une distribution à la main, quoi. Punk, comme on fait avec les disques qu'on sort, comme on fait avec les fanzines que Chester produit. Il y a quelques petits labels de distribution, comme General Strike, comme le truc de Cox aussi, qui même hors circuit la boutique en ont aussi. Il y a quelques endroits où on en dépose quand même. Alors, le truc de Cox, ça s'appelle Motorbook, c'est Psychosine. C'est ça. Voilà, qu'on reçoit la semaine prochaine. Ça tombe bien. Et voilà, donc, pour l'avoir, il y a les différents sites internet aussi pour les commander en ligne. Et puis sinon, au concert qu'on va faire là, de Chansons des Cadavres, on en aura peut-être encore un peu. Dans le cadre du festival Cinema Fest, 11, 12 et 13 novembre, au Gébus à Paris pour 25 euros les 3 jours. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est les 3 jours. Et donc, cette formation-là, l'orchestre, il joue quand ? Non, on joue le dimanche. C'est-à-dire le ? Le 13. Le 13 novembre. Diego, tu seras là ? Bad, pardon. Ah oui, je serai là, oui. Ah, t'es là si on n'a plus de guitare. Sinon, il n'y a aucun solo. Ouais, c'est ça, quoi. D'accord. Non, le pauvre. On va se faire une petite séquence musicale. On va rendre hommage à un grand homme, quand même, puisque Vérol l'adore. C'est vrai. Et puisqu'il a repris une chanson de cet homme-là, et c'est pas la seule chanson que tu as repris, puisque tu lui avais fait un clin d'œil déjà. On s'est commis deux fois avec Joe Dassin. C'est vrai. Donc le premier morceau, c'est un groupe des années 80 qui vient de ressortir, qui se remet aussi en scène. Ça arrive beaucoup en ce moment. Le groupe s'appelle Kurt, c'est un groupe de Toulouse qui a été très peu connu. Je ne sais pas si quelqu'un a connu ça. Et il ressort donc un 45 avec trois morceaux, dont une reprise de Georges Brassens, j'allais dire, mais non. Non, Joe. C'est pas dire, il y a Joe Strummer, Joe Ramones et Joe Dassin. C'est la base. Et le morceau, lui, il l'a titré Non-Stop Daltons. Et ensuite, un extrait des Cadavres tiré de la dernière sortie actuelle, qui est sortie en 2013, c'est ça ? C'est ça. C'était notre truc, plutôt que de sortir un album qu'on savait que ça se vendait plus. Ouais. On avait fait le pari de faire justement 3 45 tours sur 3 labels différents, avec 3 titres et en 3 couleurs différentes. Le chiffre, c'était 3 alors ? C'était 3. D'accord. Et c'était en 2013 ? Oui, c'est ça. On aurait préféré le sortir en 2003, mais... voilà, mais quand même. Le 3 mars 2013. Bon, on écouta. Et oui, le morceau s'appelle ? Le nôtre, c'est l'Amérique. L'Amérique. Bah oui. Un grand tube. Des frères Dalton qui furent l'incarnation du mal, du mal, du mal. Peps. Et que ceci serve d'exemple à tout ce que le diable incarne une brochure.
Voilà, l'Amérique surconstruite par les cadavres en 2013 au terminus de l'histoire. Voilà, au terminus de l'histoire. Trois 45 tours de trois morceaux chacun sur trois labels différents. En trois couleurs. En trois couleurs. 2013, 300 exemplaires chaque. Juste une petite aparté là-dessus, ouais, pourquoi sortir un album en 2013, les cadavres qui n'existent plus C'est pas un album, c'est 345 tours. D'accord, c'est vrai. Un album, ça ne sert à rien justement, c'est pour ça. Bon. Il y avait 9 titres. Ouais, ça, sortir un album de 9 titres, c'est toujours un peu, bon, c'est pas vraiment un album. Il y avait une reprise qu'on vient d'écouter. Une reprise des cadavres. Il y avait une reprise de Salope de Keuf, c'est ça. Ouais. Donc tu vois, il y avait un peu des phases B qui étaient à mettre en plus sur un album un peu. Du coup, ouais, on en a un peu parlé. Et puis le groupe tournait pas beaucoup. Oui, c'est on ça. Pour faire un album et tout ça à écouler en concert, c'est pas évident. Du coup là, ça c'est en quelques mois, on a écoulé tous les 45 tours qu'il y avait. Il y avait une promo, donc on a fait des CD. Puis l'objet est bien plus joli, quoi, en fait. Oui, bien sûr. Non, mais c'était dans l'idée, pourquoi en 2013 sortir un truc des cadavres. En fait, c'est parce que quand on s'était reformé la dernière fois, contrairement à ces chroniques, en fait, ça s'est super bien passé. Il n'y a pas eu d'engueulade, il n'y a pas eu. Donc on s'est dit, il faut quand même au moins qu'on laisse une trace musicale. Et donc on avait quelques nouveaux morceaux, mais on n'avait pas suffisamment. Et on n'avait pas surtout la volonté de continuer. Donc, avec le peu qu'on a fait, on s'est dit, on va faire quelque chose quand même. Quoi. Voilà. Mais c'était ça, en fait. Mais c'est vrai que la dernière reformation, ça a été, c'était light. Donc, les chroniques n'auraient pas aussi bien porté si tu en avais. Elles auraient été moins drôles. Quoi. Ouais, là, elles auraient été limite chiantes. Quoi. Parce qu'en fait, quand t'es bien, t'as rien à raconter, t'es bien. Le bonheur, c'est chiant. C'est ça. 14h, tout le monde est de bonne humeur. C'est ça. 16h, nous rigolons bien. Ouais, voilà. Ouais. Par exemple, ou alors j'en ai une. Ça c'est autre chose. J'allais faire une citation. Je la ferai un petit peu plus tard. Oui, tu disais tout le monde s'engueule dans le camion. C'est vrai que dans tes chroniques, chacun en prend pour son grade quand même. Ouais, mais c'est tous les musiciens, tous les gens qui supportent le groupe. Ah, ouais, parce qu'il n'y a pas que les musiciens dans la camionnette. Non, en fait, on était à une grande époque, on était toute une équipe. Rodiz, sonorisateur, il y avait la manageuse, il y avait Jay qui nous suivait en tournée, il y avait Sylvie qui tenait le stand, après ça a été... Enfin, il y a toujours plein de gens en fait, autour. C'était pas que... On était cinq musiciens, mais il y avait du monde autour. Mais oui, c'est vrai que tout le monde en prend plein la gueule, mais moi, j'en prenais autant, quoi, en fait. C'est ça. Sauf que comme j'écrivais, y a des trucs qu'on n'a pas besoin de le dire, quoi. Oui, mais moi, ça me manque un petit peu certains retours de gens qui ont leur propos à dire. Bah oui. Genre, t'es un gros con, t'es machin. Non, mais je pense que peut-être que pour l'instant, on sait pas. Peut-être que Jérôme est en train d'écrire sa version de l'histoire et que ça sortira l'année prochaine et puis qu'il refera des morceaux avec des petits jeunes. Ou alors Manvi ou Cyril, enfin je sais pas. Il nous a approché avec Bad Bad. Ouais, ça m'étonne pas quoi. Non, mais tu vois ce que je veux dire, c'est ça quoi en fait. Non, mais c'est le parti pris d'être le de finesse de la camionnette, tu vois ce que je veux dire. Genre le mec insupportable, un but de lui-même et puis qui en fout plein la gueule à tout le monde, alors que c'est pas du tout moi quoi. Ouais, il y a une mauvaise foi à assumer qui est assez amusante. Parce que, tout à l'heure, tu disais, tu l'avais écrit, pas forcément pour que ce soit lu, mais il y a des fois, tu t'adresses au lecteur un petit peu, vous vois le lecteur. Donc, ça vient des corrections, ça, ou ça Non, en fait, c'est que. Non, parce que tout le monde le lisait, en fait. Enfin, quand je dis tout le monde, les proches, quoi, le lisaient. Ouais. Des fois, quand on revenait, machin, etc. Là, t'as fait ta chronique, je peux l'avoir, c'était plutôt ça, quoi. Puis, des fois, de temps en temps, il y en avait une qui allait dans le basta. Ouais. D'accord. Mais à la base, c'est franchement, ça n'avait pas vocation à être sorti comme ça. Moi, je pensais pas si loin, quoi. D'ailleurs, j'ai jamais pensé plus loin. C'est comme le reste. Hein. Je pensais jamais sortir un disque un jour. Je pensais jamais faire une tournée, enfin, ainsi de suite, quoi. Moi, il voit pas plus loin que le bout de son nez, tu vois. Ouais, non, mais. Voilà, maintenant, il est sorti. Je suis bien content parce que moi, je l'ai relu moi-même. Ça m'a fait rire. Oui, quand même. Oui, c'est vrai qu'il y a pas mal d'humour. Il y a des trucs assez cyniques aussi. Il y a de l'humour noir. On retrouve aussi beaucoup les thèmes de tes chansons dans ce genre de chronique. C'est quand même quelque chose d'intime. C'est récurrent, ouais. Ouais, il y a toutes les récurrences de ce qui revient dans tes chansons, sur la consommation, sur la société. J'ai mes dada, oui, en fait. C'est une sorte de Don Quichotte et j'ai toujours les mêmes moulins en face de moi. Et le problème, c'est que j'essaye de les dégommer. Et ça fait depuis 30 ans qu'ils ne se dégomment pas, ils deviennent de plus en plus gros, quoi. Ouais. Alors que ça soit le consumérisme, que ça soit le fascisme, que ça soit n'importe quoi, en fait, tu les dégommes jamais, quoi. C'est horrible. Donc, en fait, les.
les mirages contre lesquels on luttait à l'époque des canards, ils sont toujours là, ils sont même pires en fait. Sauf qu'ils ont même des moyens plus modernes maintenant. Donc, bientôt, ça sera même plus avec des mots ou avec un livre qu'il faudra lutter, il faudra carrément une bombe immédiatement, enfin je sais pas quoi. Et on trouve aussi un petit peu les ambiances. On passera la musique bientôt, on a des cadeaux bientôt, hein, vous inquiétez pas. On retrouve pas mal les ambiances du camion. Je voulais dire quoi, je sais plus, je suis perdu. Je voulais faire une petite citation de la page 43 pour le concert du 21 mai 93, concert de Lugon-les-Lacs. Alors, à midi pile, puisque c'est chronométré, enfin c'est chronologique, midi 2. J'écrivais, je regardais l'heure et puis je notais. Alors. L'heure est exacte. D'accord. Et on retrouve un peu l'ambiance du camion et où ça picole pas mal. Hein. Entre autres. Fallait bien qu'on arrive à oublier quelque chose, quoi. Comme t'es dans une espèce de boîte à roulettes pendant 8 heures. Ouais. Que t'as épuisé toutes les conversations possibles entre le concert de la veille, machin qui est pas bien, tel qui s'est engueulé avec sa meuf et ce genre de conneries. Bon, au bout d'un moment, quand on te passe une bouteille, t'es heureux, quoi. Mais ça a l'air chiant quand même. Ça peut l'être, ouais. Ouais. Les autres, là, Thiel, et Vatbat. Ouais. C'est le ressenti vérolesque. Vous avez un peu le même, c'est un peu la même question que tout à l'heure, mais. Ouais, après, c'est ce qu'on disait hors antenne aussi, c'est que nous, Vatbat ou nous, on fait aussi. Alors peut-être, après, on a donc les moyens technologiques aussi qui permettent du divertissement à bord, hein, comme dans les avions. Hein. Ouais, ouais. Il y a les GPS des engueulades où t'évites de te perdre aussi, vrai, là, perdre du temps quand t'as déjà passé 8 heures sur la route et là que tu fais un détour parce que machin a loupé la station, la sortie d'autoroute. Tu vois, ce type d'embrouille existe de moins en moins avec les GPS. Tu suis les trucs bêtement et puis hop, t'arrives. Ouais, ça remplace au cerveau, quoi. Tu sais, tu vois tout le temps le chronomètre du GPS qui diminue. Tu vois, chaque heure, tu sais qu'il y a une heure de moins, c'est moins abrutissant que d'avoir aucun repère, c'est-à-dire, ah mais pour combien d'heures on va encore en avoir, tout ça. Et le truc aussi, on fait beaucoup plus de concerts. Là, on est sur une moyenne de peut-être 30 concerts par an avec les cadavres, quelque chose comme ça. Oui, c'est pas beaucoup. Là, nous, on fait tous plus de 100 concerts par an. Il y a un truc où tu prends tes routines de tournée, tes habitudes, chacun a son petit oreiller, chacun a son machin, sa position pour dormir. Ça sent bourgeoise, quoi. Ça sent bourgeoise, et puis tu prends le son doudou. Comme je disais tout à l'heure, tu vois, mater des films, regarder les téléphones. Ouais. On a des discothèques dans des iPods. Tu sais, là, il fallait faire 3 cassettes que tu écoutais en boucle pendant 8 heures de route. Si le poste marchait. Si le poste marchait. Ouais. Là, on allait, toi, un iPod, t'as ta discothèque complète pour faire 3 semaines de tournée. Nous, on avait nos doudous. Hein. On avait les bouteilles, les cachets. Ouais, on avait nos doudous. Et puis, par rapport à ce rythme-là aussi, quand tu fais 20, 30 dates d'affilée, tu peux pas être complètement blackout tous les jours à te défoncer autant que sur des dates de week-end, comme on peut avoir l'occasion de faire aussi, où on fait plus la teuf qu'en tournée. Tu es obligé d'économiser un peu quand tu chantes, quand tu fais des sets physiques. Tu vois ce que je veux dire, c'est que t'as... Ah, la jeunesse se perd. La jeunesse se perd. Ouais, finalement, on est peut-être aussi plus vieux que les cadavres à l'époque dans ce livre. On a toujours été vieux. Mais oui, l'ennui, les gens ne se rendent pas compte que tu en parles au boulot. Tu es là, mais alors, vous avez fait 12 heures de camion aller-retour. Pour une heure jouer, de 7. Pour jouer 30 minutes. Ouais. Ah non, mais une heure de 7, nous on ne fait pas une heure de 7, t'es fou. C'est la flemme, une heure de 7. Pour jouer 30 minutes, payer 50 euros, vous avez dormi par terre. Vous avez dû payer vos bières au bar et vous faites ça tous les week-ends. Voilà. C'est faute de ne pas prendre l'apéro à l'heure juste avant de prendre le camion. Ouvrez la parenthèse. Qu'importe si les gens meurent, c'est toujours l'heure de l'apéritif quelque part dans le monde. Ça, c'est pour se consoler. C'est déjà qui, ça ? C'est pour se consoler, quoi. Tu vois, je veux dire, faut bien se donner une justification. Voilà. De toute façon, le bouquin commence par une reprise de la Bible. C'est au commencement était le verre. On a d'abord commencé à apprendre à boire avant d'apprendre à jouer. Bon, nous, c'était ça, quoi. En fait. Mais c'est des choses où l'alcool a une place. Hyper importante sur la vie en tournée, sur ces trucs-là, et surtout face à l'ennui, que ce soit dans la vie de tous les jours ou dans la vie en tournée qui est d'autant plus ennuyeuse.
on va dire les 20 heures où t'es pas en train d'être au concert avec les gens. Mmh. Et même quand t'es au concert avec les gens, c'est les mêmes conversations tous les soirs de mecs bourrés qui ont rien à dire, qui ont cru avoir tout, connaît, ouais. tout compris à l'anarchisme, à qu'est-ce que c'est qu'être punk et tout ça. Tu peux pas supporter ça sans boire. C'est vrai. Tu peux pas parler aux mêmes mecs tous les soirs, 150 concerts par an. Les mecs qui viennent te dire, ouais, mais alors vous êtes accordé entre le deuxième et le troisième morceau, c'est pas punk. Tu peux pas supporter ça sans boire, c'est impossible. C'est une petite séquence musicale, oui. Je sais pas ce qui est au programme, mais Diego, Bad. Oui, oui c'est oui, un morceau oui, de. Oui. Oui, oui. Eh ben, voilà, un morceau du troisième album qui commence un petit peu à vieillir d'ailleurs. Hein, oui, un peu. Hein, qu'est-ce que vous foutez là ouais. Ils sont en studio en ce moment. On est en studio en ce moment. On a eu un changement de line-up il y a un an. Voilà. On a voulu refaire des choses différentes. Il y a David Stigmat qui est venu à la deuxième guitare, etc. Ouais. Donc on est passé de trio à quatre, tout ça. Et puis le temps que ça se remette en place, qu'on retrouve un peu nos marques. On a composé un album, voilà, et puis on a enregistré 15 titres là, en studio. C'est en train d'être enregistré, là, on a fini les guitares la semaine dernière. Mmh. Et puis j'aimerais bien, ça pourrait être cool que ça sorte pour mars, je pense, voilà. D'accord, mais en attendant, un extrait du troisième. Ouais, du troisième, d'Expédition Punitive. Ouais. Et après, ça sera suivi de Garage Lopez, le 45 qui est sorti avec divers chanteurs, dont le morceau où tu chantes. Merci Marion. Raquel. Sous les délatés, seul je me console, course et essuyant, je me saoule sous les sols. Aucun moyen d'en faire la preuve. Ils fuient sans cesse devant leurs poursuivants. Pour subsister, ils emploient leurs compétences. Quand la loi ne peut plus rien pour vous, il vous reste un recours, un seul. Constroy, le bruit sans l'odeur. Je suis pas fait, I'm a punk rock and roll. I'm a punk rock and roll.
je ne ressemble pas à tout ce que tu peux voir, à tout ce que tu peux croire. Banlieusard je le suis, banlieusard je le reste. Dans pas cette tournée, les frégates tout terre. I'm a punk rock a rebel. 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 Mais faut pas se leurrer. Je sais aussi mal. On est à l'antenne Construit jusqu'à 20h pour l'émission Construit sur FPP, pardon, 106.3 MHz. Autour des cadavres, on vient d'écouter, qu'est-ce qu'on vient d'écouter ? Garage Lopez. Et oui, mais au chant, il y avait quelqu'un. Alors, c'est Garage Lopez pour leurs 20 ans. Ils ont suicide commercial. Voilà, ils ont fait un 45 tours, en fait, ils ont enregistré 4 titres. Mm-hmm. Qu'ils ont fait chanter par d'autres gens. Par 4 chanteurs différents. Même plus. 4 labels différents. C'est 4 pour eux. Même 4 il y a 400 exemplaires chacun. Sur 4 couleurs différentes. Et dont ce titre-là, Punk Rocker Rebel, où Olivier et moi-même de Maladroit, qu'Olivier qui joue dans Dead Pop Club aussi. Ouais, d'accord. Et donc, chanteur de Dead Pop Club. C'est son vrai nom aussi. Et donc, ils nous ont fait chanter tous les deux là-dessus, quoi. Et il y a aussi, que je dise pas de bêtises, il y a Fanny oui, de mon qui groupe, chante un morceau. Il y a Washington Dead Cats. Il y a Matt. Max. Et Mathias. Et le dernier. C'est Pascal et, Bastien. Et Bastien de Brigitte Bop. Voilà. Et Pascal de Potters. Bienvenue sur Radio Alzheimer. Oui, un petit peu, et puis sur Radio Alzheimer. L'arbre généalogique se porte bien, là. On est en... C'est vrai qu'on a fait du name dropping. Plein de copains des Lopez pour fêter les 20 ans sur un 45 tours. D'accord. C'est sympa. Bah, nous... sur le code de téléchargement, il y a les 4 titres chantés par les Lopez. C'est vrai ? Eh oui. Bonus caché. Bah, je ne l'ai pas trouvé. C'est parce alors, il n'y a peut-être justement. Pas de code de téléchargement dans ton exemplaire. Pourtant. Ouais, ça se fait rouler. Ça. Ouais, il y a une version CD qui doit sortir avec tous les titres versions Lopez, les versions reprises, tout ça. Je dis peut-être des conneries, hein, mais. J'ai chanté dessus, je n'ai pas sorti avec le label, donc je suis moins au courant que d'habitude. Ouais. Bon, on aura la confirmation début d'année, janvier ou février, on va les inviter. Comme ça, on en saura un peu plus. Pour fêter les 21 ans ? Oui, bah oui. Ouais, les 20 ans, c'est chiant. 01 40 05 06 10, ça c'est le numéro de téléphone, puisque vous nous offrez des bouquins qu'on peut offrir. Vous nous offrez des trucs qu'on peut offrir. Ouais, c'est beau ça. Donc, il y avait 8 bouquins, mais vous en gardez 5 pour vous, c'est ça ? Et donc il y en a 3 à gagner. Voilà. Alors, appelez-nous 01 40 05 06 10. Ceci n'est pas un disque, ceci est un livre qui s'appelle Voyage au bout de l'ennui ou Les chroniques de la camionnette. Donc appelez-nous 01 40 05 06 10. Vas-y, appelle. Ah, appelle. Gagne. Appelle, tu gagnes. Appelle. Voilà. Je ne sais plus du tout où j'en suis. Je suis tout mélangé dans mes notes, dans tout ça. Je n'ai pas du tout suivi mon plan. Tu voulais parler du disque live qu'on sort. Est-ce que quelqu'un a une question ? Quelqu'un a une question ? On pourrait parler du tout, My Fest aussi, c'est pas mal. Oui, parce qu'il y a quand même un live à sortir. C'est quoi ce live alors ? C'est un live des cadavres ? Ouais. De quelle année ? De 91. Oui, ça commence à dater quand même. Bah non. Non. J'avais 37 ans. D'accord, faites le calcul. Et c'était un concert hors nano qu'on avait fait avec les rats. Ah bah, ça tombe bien, ouais. On retrouve ici. Voilà, ouais. Et donc, en fait, au départ, il y avait le bouquin. Après, de soirée jour, on s'est dit, ça serait bien de faire un petit disque qui accompagne la sortie du bouquin. En fait, on était surtout très frileux, Franck et moi, à l'idée de sortir un livre et de vendre d'arriver à vendre un livre. On était là, on ne sait pas faire, on ne va jamais s'en sortir. On s'est dit, il faut qu'on sorte un disque en même temps pour nous rassurer. Mm. Et donc, voilà, on est parti dans les cassettes, à retrouver un live d'un vieux, quoi, comme ça, et puis on l'a ressorti en vinyle jaune. Ouais. Ornano en 91, tu dis février 91, je crois. Le son est correct ?
Parce que si c'est tiré d'une cassette, ça peut être un peu bouffé. En fait, ce qui s'est passé, c'est que les rats voulaient enregistrer un live, si j'ai bien compris l'histoire. Ouais. Du coup, il y avait tout le dispositif de studio pour enregistrer le concert des rats. Le mec a enregistré le concert des cadavres. C'est une fille. Et une fille, oh pardon. Tout de même. La personne a enregistré aussi le concert des cadavres dans la foulée. Mm-hmm. Et finalement, ce disque des rats n'est jamais sorti, hein, non. Si j'ai bien compris. Non, il n'est pas sorti en fait. Mais voilà, donc on a bénéficié. Il y avait un porta studio et donc le son est correct. Quoi. D'accord. Et ça joue hyper bien. Ouais. Parce qu'on a écouté beaucoup de cassettes de l'époque. C'est pas toujours au rendez-vous. Mm-hmm. Et là, particulièrement, c'est un live très réussi. Il y en a d'autres, ça existe des petites perles comme ça qui sont pas sorties, qui sont dans les fonds de tiroir. Il y en a plein. Ouais. Bah, oui, il y a des inédites de tout, enfin, qui traînent, des morceaux jamais sortis, des morceaux qui sont restés, qui devaient être dans un album qu'on avait mis de côté pour une éventuelle compile ou truc comme ça, puis qui sont pas sortis. Dans les diverses reformations, des démos qu'on a fait de morceaux qu'on n'a jamais vu le jour, et ainsi de suite. Parce que là, on en avait sorti avec les neuf là, des 345 tours, mais en fait, on en avait d'autres encore qui n'étaient pas finis, et qui sortiront sans doute jamais, quoi, en fait. Mmh. Puisque, à la base, on n'est pas parti de nous pour se reformer, quoi. Donc, il y a quand même. En plus, il y a plein de groupes qui se reforment, donc voilà. Ouais, il y en a des tonnes. Laissons la place aux vieux. Des lives. Ah, des lives, il y en a chez plein. Chez toi, t'en as plein. Moi, j'avais fait des copies cassettes chez Philippe de kilotonnes de lives, que ce soit de cadavres, infractions ou autres. Ou autres, parce que t'as joué aussi dans le groupe entre temps, et puis depuis, t'as aussi participé. Dans Darling Genocide, dans Hiroshima. Un petit passage là-dedans aussi, Puis là, maintenant, j'ai pris ma retraite. Ouais. C'est sûr. Ah ouais. Sauf que tu montes sur scène bientôt, là. Ouais, mais là, c'est pas pareil. C'est pour fêter l'événement. Ouais. Et du coup, en fait, parallèlement à ça, en fait, ce bouquin-là, c'est quand même plutôt drôle, en fait, qu'autre chose, quoi. Et donc là, du coup, je me suis relancé sur de vrais bouquins, en fait. Tu veux t'essayer à l'écriture, hein. En fait, non, j'ai toujours écrit, en fait. Mais là, en fait, je suis sur deux projets qui n'ont rien à voir, que je suis en train de finaliser. Il y a un projet avec des textes et qui seront illustrés par Vincent des PKRK. Et on sortira ça comme un bouquin grand format avec des grosses gravures, quoi, en fait. C'est-à-dire que Vincent, lui, cherchait des textes à illustrer. Des textes fiction? De la fiction ou de la... C'est de l'autofiction Non, c'est vraiment des textes courts, à la limite... Des poèmes, hein. Pas vraiment poétiques. Non plus. Vous verrez quand ça sortira. Des pensées, quoi. C'est des pensées, puis ça reprend toujours les mêmes chevals de bataille, quand même. Et donc, en fait, comme il cherchait quelque chose à illustrer, parce que les siens, il n'arrivait pas à les illustrer, je lui ai présenté cela, il m'a dit c'est exactement ce qu'il me fallait. Et donc, on est en train, mais bon, le problème, c'est que écrire, ça va vite, dessiner, c'est autre chose, quoi. Oui, ou vice-versa. Ou vice-versa, quoi. Oui. Ça peut prendre du temps. Certains peuvent avoir un avis différent. La Chester, depuis le début de l'émission, il a déjà fait 3 recueils de BD. Hein. Oui, voilà, il y en a qui sont plus prolifiques que d'autres. L'événement, oui, on en parle un petit peu ou on passe de la musique avant, on en parle après C'est ton émission. Non, mais vous avez le droit de donner votre mot. D'abord, un cheeseburger américain, ensuite une conférence de presse. D'accord. Et entre-temps, on va passer quand même quelques musiques, quelques morceaux. Du fameux live, voilà. Quand même, Ornano dans la brume. Ornano dans la brume, on n'a pas donné le titre, oui, c'est vrai. Et puis Démérite. Et Démérite, qui est un groupe chinois. Oui, qu'on avait reçu il y a pas très longtemps. C'était ce printemps. C'est très bien. Mm-hmm. Ouais, qui est incroyable. C'est un mélange de plein d'influences, puisque... Ils sont très influencés par Iron Maiden, par exemple. Donc, ils font des solos dans des morceaux punk à l'Iron Maiden. Ça, c'est assez rigolo. Mais c'est vraiment un bon groupe. Ça joue bien. Et c'était un bon concert. Donc, on va écouter ça. Ils étaient passés il y a 2-3 ans aussi. C'est plus, on les avait eus à l'antenne des mérites. Allez sur les archives de Construit. Vous retrouverez l'interview si ça vous intéresse. Donc, un extrait de Ornano dans la brume, alors. Yeah.
Tonight, but now you think
FPP 106.3 pour l'émission Construire jusqu'à 20h. Il reste un bouquin à gagner de Philippe Vérol, Voyage au bout de l'ennui, 01 40 05 06 10. Vite fait, on annonce ce petit concert, enfin, ce gros concert, parce qu'il y a beaucoup de monde. Hein, ça s'appelle This is my fest numéro 4. Un mot en anglais, ça va plaire à Vérol, ça. En américain, pardon. Ouais. Comme les césures. Il y a, je sais pas, une trentaine de groupes. 25 groupes. 25 groupes. 25 groupes, 25 balles. Oui. Sur 3 jours, ouais. Au Gibus Live. On pourrait presque jouer au loto avec tous les chiffres qu'on donne depuis le début. Ouais, ouais. Et chiffrer les noms. Ouais, ouais, c'est vrai, ouais. 25, 3, 4. Et donc le dimanche. Ça marche pas. Dimanche, on fait ce petit set de chansons, ouais. Des cadavres avec les copains de Diego Palavas, Justine, Guérilla Poubelle et Vérol qui les chantent. Mm-hmm. D'accord, c'est un set complet, il y a combien de temps Une demi-heure, c'est un petit set. C'est un petit set, ouais. Ouais, ouais, bon, y a 25 groupes. Ouais, c'est ça. Donc, ouais. Tout le monde joue 30 minutes, les derniers chaque soir ont un petit peu plus longtemps pour dépasser. Mm-hmm. Et puis la semaine prochaine, après le festival, pardon, la semaine d'après, on joue le vendredi 18 ou 19. 18. Le vendredi 18 à Lille, avec donc là il y a Guérilla Poubelle qui fait un set normal de Guérilla Poubelle. Mm-hmm. On refait un set de chansons des cadavres. Ouais. Et c'est à marche gare du marché café Saint Sauveur. Saint-Sau. C'est gratos. S'il y en a qui écoutent à Lille, qui veulent venir voir Guérilla Poubelle et puis un des sets de chansons des cadavres, c'est le bon plan. Mmh. Et puis le samedi, le lendemain, on joue à Étables-sur-Mer, en Bretagne. Là. Pareil, un set de Guérilla Poubelle, un set de chansons des cadavres, avec le même line-up. Ouais, et, puis, ouais. Et puis après, on enterre ça. D'accord. Voilà. Donc, on enterre les cadavres encore une fois. On enterre les cadavres. Ouais. Voilà, huitième. Est-ce que vous y allez en camionnette? Oui, ouais, j'espère est-ce que. Est-ce qu'il y a des trucs à raconter? J'espère que Philippe va faire un petit annexe ça, qu'on pourra rajouter au repressage. On y va en camionnette, ouais. C'est ça. Concert à Lille. Tout le monde regarde son iPod. Personne ne 14 parle. 14 heures. Tout le monde regarde toujours son iPod. Donc, à propos de ce qui se passait dans la camionnette, j'ai quand même une petite citation à faire, puisque celle-là, elle vaut le coup. ça concerne un petit peu l'alcool. Hein. Le 24 juin 1995, concert de Dour sur la route à 13h14, avec le petit sous-titre Retard, puisque vous êtes toujours en retard. Bah, malheureusement, ouais. Ouais. Alors, que ferions-nous pour jouer? Comment ferions-nous pour jouer carré, nous qui sommes toujours ronds? Bah oui, c'est géométrique. C'est quand même une belle citation. Oui, fallait la sortir. C'est ça. Celle-là. C'est presque du Raymond Devos. Qu'est-ce que je vois, mon œil qui était passé de l'autre côté. tout ça pour dire, qu'est-ce que je voulais dire? Ah oui, donc c'est vraiment des chroniques de camionnettes parce qu'il n'y a aucune description de concert, il n'y a rien. Non, aucune. Mais en fait, non, c'était le but, c'était de montrer l'envers du décor. En fait, c'était vraiment ça, quoi. Ce qui se passe dans la vie d'un groupe quand il n'est pas sur scène. Parce que sur scène, tout le monde le voit. Mais par contre, les gens qui viennent à un concert... C'est la même chose tous les soirs. C'est ça, quoi. Par contre, les gens qui viennent te voir à un concert, ils ne voient pas ce que tu vis 5 heures avant de les retrouver, quoi. Mmh. C'est juste un camionnet parce qu'il n'y a pas de... Après concert, non plus. Il y a juste, tu mets des étoiles pour la nourriture et l'hébergement. Voilà, la vie du chef. Bah ça, c'est d'avoir lu le guide Michelin quand j'étais jeune, en fait. Et t'es pas tendre avec eux non plus. Bah, les seules grandes étoiles qu'il y a, c'est dans des hôtels cossus. Non, même pas. Les Formule 1, il y a 2 étoiles. Ouais, voilà, ouais. Donc c'est toujours mieux que chez l'habitant. T'as des habitants à 3-4 étoiles. Ah hein, ouais, quand même. Non, par contre, on parle jamais de ce qui se passe après le concert. Ouais, voilà, ceci ne regarde que nous, en fait. L'intimité du collectif. C'est ça. Non, parce qu'après, il se passe des tas de choses, hein, quand même. Mais... Non, moi, ce qui m'intéressait, c'était le avant, en fait. Mmh, tu vois pourquoi. C'est comme si tu as un événement de ta journée. Hein. Ouais, c'est ça. Mmh. T'as l'événement de ta journée, c'est que tu vas monter sur scène et tu es censé faire quelque chose de bien pour des gens qui viennent te voir. Et tout ce qui se passe avant, ben, c'est là que c'est le plus dérisoire, quoi, en fait. C'est tous les tracas du quotidien, quoi. C'est la même chose que d'aller une journée de taf, quoi. Tu te lèves, tu as des horaires, tu as des trains à 7h23. Ben là, tu as un rencard à 8h pour charger le matos.
Oui, il n'y a pas de 7h23, il n'y a pas de rancard à 7h23. On n'a pas osé, pas tout, pas quand même. Mais c'est aussi, c'est, ça devait être une façon de tromper l'ennui aussi de faire ça. Ouais. L'ennui des heures de route, de, d'occuper son temps à trouver des petits aphorismes, à parler du paysage, à insulter les et semblables. Ça, et ça ne serait pas justement la face cachée, cachée de tromper l'angoisse, en fait. Si, c'est ça. Hein, c'est complètement ça. Il y a des fois, je ne me sentais pas bien, j'avais besoin d'écrire. Quoi. Voilà, c'est un exutoire, en fait. Oui, ça se ressent pas mal quand même. Ah bah oui. Il y a pas mal de trucs qui ressortent. On voit un peu donc, je ne fais pas partie des gens qu'on peut qualifier d'optimistes. Quoi. Oui, je me réveille le matin, je n'ai pas le sourire jusqu'aux oreilles. Quoi. Généralement, j'ai plutôt tendance à voir le verre à moitié vide qu'à moitié plein. Moi. Donc voilà. Et c'est ce que je dis souvent dans le truc. Ce qui se passe, c'est que quand on vivait le truc, on se lamentait, on s'engueulait, on se prenait la tête, on se faisait chier, ainsi de suite. Et deux semaines après, quand on en parlait avec des potes, on trouvait ça génial. Ouais. Parce qu'après, il reste que les bons souvenirs. Mais tu te rappelles quand machin... Ouais, et en fait, sur le jour même, quand machin a fait son fameux truc, on avait juste envie de l'atomiser. Quoi. Ouais, c'est souvent les pires histoires de tournée et qui font les meilleures histoires à raconter. Quoi. Ouais. Il y a une belle histoire à raconter aussi, c'est le 24 mars 1994, pour le concert de Chavot, où vous faites un aller-retour pour rien, parce que arrivé là-bas, il n'y a rien. En fait, il n'y avait pas de sono. Ouais. Les mecs qui organisaient ce concert, c'était des petits jeunes, et en fait, ils n'avaient pas pensé qu'il fallait une sono pour qu'un groupe puisse jouer. Quoi. Donc, on m'avait conseillé de brancher mon micro sur l'ampli de guitare pour pouvoir chanter, et puis en fait, on jouait qu'avec nos amplis. Quoi. Ouais. Donc, au bout d'un moment, comme il n'y avait pas de sono, on est reparti. Qu'est-ce que vous qu'on fasse C'est un grand classique. Hein. Nous, ça nous est déjà arrivé. Ouais. Je pense que Bad Bad, vous aussi, vous avez déjà vu ça. Je pensais qu'il y avait Canou, moi, les poisses. Comme ça. Et le truc qui revient souvent, c'est aussi... La pluie. Oui, voilà, parce que bon, ça reflète un peu tes états d'âme, peut-être. Non, mais parce qu'il pleut souvent. Non, pas Eric, on a fait le Bataclan Paris sous la pluie, c'est parce qu'il a plu ce jour-là, en fait. Ouais. Là, je prévois pour ce week-end la météo, c'est sûr que dimanche, il pleut. Ouais. Ah bah oui, puisqu'on va jouer. Un baromètre inversé. Bah oui, je veux dire, le 18 à Lille, il pleut. Le 19 à Étables-sur-Mer, il pleut. C'est une évidence, mais c'est Étables-sur-Mer aussi. C'est la couverture, ça aurait pu être un petit camion avec un nuage qui le suit au-dessus avec de la pluie. Vous seriez des stars dans le désert. Hein. Mais ouais. C'est vrai que c'est ça qu'il faudrait qu'on fasse. Quoi. Mais ouais, descendez au sud là-bas, je suis sûr qu'il kifferait. La pluie partout. Non, mais ouais. Trop de chaleur, c'est pas bon pour la musique. Tu sais, les odeurs corporelles, tout ça, les flux dans la camionnette, c'est un peu. Non. Les aftershaves bon marché, ce genre de truc, non, c'est pas bon. Le froid, au moins, c'est sain, c'est vif. Et puis, du coup, ça fait une excuse supplémentaire pour ouvrir une bouteille. T'as froid, tu te réchauffes. Et moi, j'ai une question. L'alcool, le baromètre de la. Ça flatule beaucoup en tournée ou ça va Ça flatule beaucoup Non. On essaie d'être propre. Ça dépend si tu joues en Vendée ou pas. C'est vrai que ça veut dire. Ce qui est intéressant, de chou, vous êtes bien fourni là-bas dans l'Est aussi. Oui. Ce qui est intéressant aussi quelque part, c'est que tu t'es pas mis de barrière sur le formalisme des choses. C'est pas systématique. Les paragraphes peuvent faire 15-30 lignes, ou alors ils peuvent faire une ligne tout simplement. Non, mais parce qu'en fait, c'était vraiment, on va dire, c'est presque de l'écriture automatique. Ouais. C'était ça, quoi. C'était vraiment. S'il y a un truc qui me saoulait ou si à un moment j'avais besoin d'écrire, j'écrivais. Mais si j'en voyais pas le besoin, parce que moi-même, ça m'arrivait de m'amuser quand même. Hein, faut pas quand même. Tu avais le sourire des fois. Ah bah oui. Tu lançais des blagues aussi. Ah oui, bon, elles font rire personne. Mais bon, j'essaierai pas d'en lancer une à l'antenne parce que je pense que là, tout le monde va décrocher. Quoi. Mais, l'histoire de Toto, les trucs pas bien. Mais non, mais il y a des fois où il n'y a rien. Puis il y a des passages où il n'y a carrément pas de chronique. Quoi. Oui, voilà, il y en a aussi. Ouais. Bah, pourquoi? Pour d'autres raisons. Parce que je sais pas. Oui, t'avais pas envie. Un peu de fatigue mentale. T'avais oublié le cahier. J'avais oublié le cahier, ouais. Plein de choses peuvent arriver où j'étais pas tout seul dans la camionnette, ou je sais pas, enfin, il y a des trucs. Ah. Ouais. Il n'y a pas beaucoup de dialogues, il n'y en a presque aucun. Mais les autres se foutaient de ta gueule quand même avec le crayon, ton papier. Oui, on voudrait le savoir. Non, mais de toute façon, je veux dire. L'avocat du diable, c'est bien. Non, mais si tu veux, il y a plein d'organisateurs de concerts, des fois, ils n'arrivaient pas à voir où était notre second degré. Ouais. De où était quand on s'engueulait vraiment. C'est la génération des punk vanneurs. Ouais, non, mais parce qu'on avait pris cette habitude de se parler mal exprès, quoi. Genre, mais baisse-toi, enculé, sinon je t'éclate ta gueule. Mais je t'emmerde, vas-y. Et on se parlait vraiment tout le temps comme ça. Et les mecs, c'était putain, mais vous entendez pas entre vous et tout. Ah, mais si, mais là, il est en forme. Aujourd'hui, c'est normal. Enfin, mais c'était devenu une blague, quoi, en fait. Mais en fait, tout le monde s'en prenait plein la gueule, quoi. C'était. C'est l'ancienne école, un peu. Ah, ouais. C'était pas les grosses têtes, mais presque, quoi.
Alors, il n'y a non plus personne qui est cité dans tes chroniques. Attends, j'arrive à un truc où c'est pas... Hein, préparé. Ouais, ouais. Il n'y a aucune organicité, aucune organisation de cité. Il n'y a aucun groupe de cité qui tournait avec vous. Non. Personne, les noms, à part ceux des membres du groupe, sont cités. Sauf une exception. Et oh. Là, tu frimes un peu. Puisque c'est pour le concert du 3 juin 1994 au Concert de Paris. L'Élysée ne se refuse pas, même si ce n'est que celui de Montmartre. Le concert fut bon, énergique. Par contre, les dames qui jouaient avec nous furent décevantes. Ouais, alors, parce que non, mais c'est simple. En fait, j'adore ce groupe-là. En fait. Et je les avais vus au moins 3-4 fois avant. C'est la seule phrase de la chronique. Hein. C'est l'intégralité de la page. Je les avais vus 3-4 fois avant. C'est un groupe que j'adorais. Et là, j'ai trouvé que c'était décevant. Je m'attendais à quelque chose de tellement mieux. Et en fait, voilà, c'est tout. Ouais. Donc j'ai noté ma déception. Ouais. Mais c'est ce groupe cité. Ah bah peut-être, ouais, non, mais je sais pas quoi dire. Sur... Bah, d'ailleurs, pourquoi il n'y a pas de chronique sur l'Élysée Montmartre? Parce qu'on habite Paris. Oui, il n'y avait pas de voyage. Donc voilà, au pire, j'ai dû retrouver les autres en métro, quoi. Donc, à part dire, ouais, voilà, j'ai pris la ligne 7 jusqu'à machin, j'ai changé, bon. Donc, voilà, et en fait... C'est dans le volume 2, chronique de la ligne 7. Oui, voilà, il y aura un deuxième tome. Et après, quand je suis sorti, ce truc, je me suis dit, putain, ouais, c'est vrai que c'était décevant, moi, je m'attendais tellement à mieux, quoi, en fait, voilà. On se fait une petite pause musicale avant de parler musique et préparation du concert aussi, puisque les petits jeunes... Bat et ils sont pas si jeunes que ça. Ils sont plus jeunes, en fait. Les petits jeunes, en fait, ils sont plus jeunes que ça. Ils sont petits, on est jeunes jusqu'à 25 ans. Au-dessus de 25 ans, on n'est plus jeunes. C'est fini, c'est terminé. Bah, ouais, ouais, 25 ans, c'est plus jeune. 25 ans, c'est déjà pas mal. Bah oui, mais voilà. Là, t'es deux fois jeune alors. Non, bah non, j'ai 62, donc ça va quoi. Oh là, presque 3. Musique. Bah, j'ai la carte senior. Moi.
juifs qui mettent mich la lutte du knife. Un marxisme homophobe et réac. Les clivages culturels, une étude de pourrée. Liberté de mandat pour pâter. L'opinion impudique se torture, mais qui s'arrête sur le bord. Certains rêvent et des ordures, enfouis à la place du mort. Assieds-toi à la droite de tes pincées. Ton propre sac qui crie actionnaire. Les jeunes tournées fêtent plus les grands-mères. Le gamin porte le prénom de grand-père. Porteur de pistolet, non plus besoin de pistolet. Moi je dois faire un iPhone et un abonnement talent fuyant. L'opinion impudique se torture, mais qui s'arrête sur le bord. Certains rêvent avec des ordures, enfouis à la place du mort. Crossroads sur FPP jusqu'à 20h, donc il reste plus beaucoup de temps. Pourtant, si c'était à refaire, je reprendrais bien l'histoire depuis le début. Je redemanderais même le volant pour être sûr d'aller encore plus loin. C'est sans doute ça, devenir gâteux. La nostalgie rend toujours merveilleux les souvenirs. Bah oui. T'es nostalgique de cette époque ? Non, mais c'est ce que je dis toujours. C'est après coup qu'on se rend compte que c'était bien. Ouais. Quand on le vit, c'est de la merde. On enjolive. Ouais, c'est ça quoi. C'est... Non, mais ouais. Quand est-ce qu'on se rendra compte que Construit c'était bien? Bah, quand ça n'existera plus. Voilà, demain, si on arrête. Construit n'existe plus, les gens se diront putain, mais c'est con parce que c'était vachement bien cette émission. Mmh. Mais c'est tout le temps comme ça. C'est comme quand tu fais un groupe, dimanche. T'as plein de gens pour te critiquer quand tu fais un groupe, t'arrêtes de faire ton groupe, les gens disent ouais, putain, c'est dommage, ça manque sur le paysage français, putain, c'était bien, moi j'aimais bien votre première. Voilà. Et quand tu le fais, t'as que des gens pour te critiquer. Ah, ou quand tu meurs, vous êtes tout simplement. Ouais, ou quand tu meurs, bah oui. Chaque enterrement, c'est... Bah, j'avais recommandé à un des membres du groupe de se suicider. Je dis, au moins, on aurait vendu beaucoup plus d'albums. Quoi. Mais il n'y en a aucun qui m'a écouté, en fait. Oh, il n'est peut-être pas trop tard. Bah si, maintenant, on a arrêté. Ouais. Oui, mais s'il y a le live qui sort... Ou les rééditions. Ou les rééditions de 2009, 10 ans après. Tu trouves aussi un petit peu à un certain moment sur la fin de l'histoire un petit peu 96 là beaucoup de pathétisme, tu parles beaucoup de pathétisme, comme quoi les cadavres se ont tendance à se copier. En fait, ouais. J'avais l'impression que vers la fin, quand moi j'ai voulu arrêter là en 96, j'ai l'impression qu'on était chacun dans notre petit personnage et qu'en fait on était comme des caricatures de soi-même quoi. Tu sais, voilà, lui il était dans ce rôle-là, moi j'étais dans ce rôle-là, l'autre était dans ce rôle-là, et on n'en bougeait plus. Et il y avait de moins en moins de communication entre les membres du groupe, quoi. C'est à ce moment-là que je me disais qu'il vaut mieux partir avant de devenir indésirable et peut-être arrêter à temps. Ouais. Ce que j'ai pas eu l'impression, par contre, quand on s'est reformé en 2009, où vraiment on a eu une entente géniale du premier au dernier concert, quoi. Mais vieillir, c'est sage. Non, ou peut-être que justement, on avait fait cette longue coupure et qu'on en avait vraiment envie, alors que vers la fin, on continuait sans l'envie. Et si t'as pas l'envie comme moteur, je pense que tu fais de la merde, quoi. Et je pense qu'à l'époque, valait mieux qu'on arrête, quoi. Oui, bah, juste un truc là pour l'envie, parce que des fois, t'as pas du tout envie d'être dans la camionnette, ça se ressent, c'est pénible. Mais sur scène, ça se passe comment? Mais sur scène, ça n'a rien à voir, en fait. En fait, sur scène, c'est un autre monde, quoi. En fait, t'arrives sur scène, moi, je vois rien pendant presque tout le temps du concert, quoi. Je suis ailleurs, quoi, en fait. Ça pourrait durer 3 heures, ça pourrait durer 10 minutes, c'est pareil, même une seule chanson, en fait, non. Mais il n'y a pas des fois, même pour Bad Bat ou Till, où il y a des fois où vous demandez, putain, qu'est-ce que je fous là? Sur scène? Ouais. Ouais, si. Si, ça arrive. Hein, quand ouais. Ouais. Ah ouais. On n'a pas toujours envie.
Bah, ça dépend des gens. Ça dépend des gens, ça dépend des concerts. Hein. C'est rarement de nos propres fautes. Ouais, ça dépend vachement de l'ambiance. Comment les autres gars de ton groupe sont en train de jouer. De comment, Le moment où tu montes sur scène, généralement, c'est la bascule. Des fois, tu peux avoir une journée, voire un début de soirée vraiment de merde. Mm-hmm. Et ça peut se transformer en truc génial. Ou carrément, le contraire, tu passes une bonne journée et c'est le set qui te pourrit. La journée, ça peut. On a tendance à jouer en mettant tout sur la table tout de suite. Mm-hmm. On n'est pas dans des groupes où on n'est pas au théâtre, tu vois. On joue en vrai ce qu'on fait, ce qu'on vit, ce qu'on pense, ce qu'on est. On n'est pas dans des personnages. On est toujours un peu dans une représentation, mais on n'est pas. On joue nos propres rôles, tu vois. Mm-hmm. Et du coup, c'est les trucs où, comme tu mets tout direct en danger, si ça se passe pas bien, si t'as l'impression d'être à côté de la plaque, ça peut très vite basculer, effectivement. Ouais. Mais inversement, comme tu dis, moi, la semaine dernière, j'étais au plus mauvais de ma forme. On était à l'étranger, de jet lag, de cuite, de maladie, de tout. J'étais vraiment au plus mal, carpet. S'il avait fallu rester chez moi et dormir une semaine, j'aurais préféré faire ça que d'être là à faire un concert. Mm-hmm. En un accord, un coup de caisse claire, c'était fini. Tout se passait pour le mieux et j'avais toute l'énergie du monde pour faire ce concert. Et inversement, en fait, ça peut tout basculer. Après, c'est aussi, t'as des fois, il n'y a rien qui marche. Il y a un concert il n'y a pas longtemps, première chanson, j'ai cassé ma guitare, j'ai décapité la guitare. Mm-hmm. Donc là, c'est tu fous 1000 euros par la fenêtre en une seconde. Ça forcément limite un petit peu le plaisir que tu prends le reste du concert par la suite. Tu vois. C'est remboursé avec le cachet. Il en faut quelques-uns, des cachets. Même, il en faut... Bat, est-il vous êtes dans la formation là, qui accompagne Vérol sur scène. Ça s'est passé comment? Enfin, l'idée déjà de faire ça, et puis après, ça se met en place comment? Vous répétez vous, Je participe pas à l'idée, je vais laisser Till expliquer, mais en fait, il m'a. Bat fait partie proposé, d'une bonne idée. Voilà. Ouais. Il m'a proposé, il m'a dit voilà, on a besoin d'une deuxième guitare, est-ce que t'es chaud? Oh, bah oui, carrément. Ouais, parce que t'es. Fan des cadavres, Je suis fan des cadavres. Après, je suis pas un inconditionnel, je ne connais pas tout par cœur ou quoi que ce soit. Et c'est aussi un excellent guitariste, ce qui fait quand même deux atouts. Merci beaucoup. Mais deux atouts, cet après-midi, pas mal pour jouer là-dedans. C'est sûr. Ouais. Cet après-midi, on a bien vu le contraire à la répète. Ça dépend. Ça dépend des jours. Mais, vous rendre compte par vous-même, mais je pense que ça va être rigolo. Ouais. Non, on fait ça sans pression, quoi. C'est pas nostalgique, un peu de pathétisme. Non, on fait ça vraiment sans pression. Moi, ça me fait plaisir de faire ça avec eux. Ouais, je pense que le fait de le faire avec des gens différents, pas forcément de la même génération, où on n'a jamais trop joué ensemble, ça rend une fraîcheur au truc qui est pas, je pense, pas nostalgique. Ça a rien à prouver, c'est juste pour se faire plaisir, quoi. Voilà. Ouais. Donc voilà, on va déballer ces petites chansonnettes, hop, voilà, c'est tout. Et puis c'est cool de jouer avec des copains avec qui on joue jamais. Exactement, et quel plaisir c'est de, par exemple, de jouer avec Fab de Justine à la basse et tout. Ouais. C'est cool de voir sa gueule. Et faire un petit peu de route encore avec lui, avec Paul aussi, avec toi. Puis aussi. Toi, Bat et moi, en étant tous les deux chanteurs-guitaristes, on a quand même peu de chance de se retrouver à chaque fois à jouer dans le même groupe. Du coup, là, c'est quand même une bonne occasion où on n'a pas besoin de chanter en plus. Ça dépend. Si j'ai plus de voix, faudra bien. Il faut apprendre les textes aussi. T'en connais un au moins. C'est 23, tu le connais celui-là. Non, c'est bien, comme ça, moi, si j'ai une coupure de voix, je fais semblant de chanter, puis les deux, ils se relaient. Quoi. Voilà, c'est un peu comme Johnny. D'accord. Puis, vu que la voix de Bat et la mienne sont assez similaires. Oh, vous avez la même voix. Quand même. Comment ça se passe? Vous répétez, vous? Là, on en vient. Ouais, vous en venez. On a répété cet après-midi. Mm-hmm. C'est la première répète qu'on a fait, les cinq membres, tous. Ouais. On en fait une autre demain. Ouais. Et puis après, on jouera. Puis après, il faut se reposer un peu pour jouer. Ce fameux concert donc du 13 novembre au Gibus à Paris, à côté de la place de la République. Pour 25 euros, les 3 jours, il y a des. Il y a des billets à la journée, Y a quand même, 10 balles pour la journée. Il y a 9 groupes, ou 8 groupes, je ne sais plus, ce jour-là. Mm-hmm. Je sais que ce jour-là, il y a Charlie Fiasco, il y a Black Sheep. J'ai plus les noms en tête de qui joue quel jour, mais c'est sur le site internet thisismyfest.com. Il restera des places à la porte pour ceux qui veulent venir le jour même, changer d'avis au dernier moment. Faut se planter devant. Venir avant qu'on se troye. Ah oui, c'est un dimanche, c'est embêtant.
quoi, on passe à un morceau de musique, on se dit au revoir après. Donc un seul morceau, alors tiré du live de Ornano, alors Ornano sous la brume, c'est ça? C'est ça. D'accord. Média Contrôle. Ornano sous la brume avec Media Control, un live donc à sortir. Non, il est sorti. Hein. Il est sorti, il est dispo, il est déjà bien vendu. Oui, il y a des petits liens, il y a des chiens. On laisse la place dans quelques minutes à La Trieuse Électrique hein, qui vient juste après nous. On en profite pour dire merci beaucoup. Aux gens d'être venus dans l'ordre. Chester, Thiel, salut à tous. Bad Bass et Philippe. Bonsoir. Vérole. Pourquoi merci? Bonne nuit. Merci d'être venus. Merci d'avoir écouté nos conneries. Ça se fait de remercier les gens. La semaine prochaine, on reçoit aussi normalement une flopée de gens. On parlera fanzine la semaine prochaine. Chester, tu peux revenir. C'est vrai. La chronique qui vient de sortir. Numéro 13, spécial horreur. Spécial horreur, plein de belles pages en couleur dedans, mm-hmm. Comment des chroniques. Donc on reçoit la personne qui s'appelle Cox, qui fait Motorbooks et une Psychosine, c'est une table de distribution de fanzine. Elle fait un fanzine qui s'appelle La Bête aussi, donc on la reçoit pour ça. Elle organise avec quelques autres personnes des journées qui parlent spécialement fanzine, qui s'appelle Barzine. D'accord. Et on reçoit aussi une personne de Udo Duf. Alors, c'est imprononçable, mais... Et qui fait des stages détente en anus, et ça se passe en Bourgogne, je crois. Ça s'appelle Utopie documentaire du fanzine, donc c'est une personne qui est spécialisée dans le fanzine, mais dans tous les fanzines, donc on pourra parler plein de choses, dont quoi ? L'anus en Bourgogne. Détente en anus. Inscrivez-vous, réservation souhaitée. Et c'est en Bourgogne ? Absolument. C'est tous les jours ?
Tous les jours avec des escargots, de la baffe. D'accord. Bah, merci pour cette information, puisque de toute façon, c'est notre devoir, c'est l'information. On se quitte en musique, on dit bonjour, enfin on dit bonjour, au revoir. On dit au revoir et merci à tout le monde. Merci avec d'être venu. The Brief, et puis après, ouais. Peut-être les 8 Pinks si on a un petit peu de temps. Et le fil conducteur, c'est des pochettes roses. Mmh. Voilà. Merci à tout le monde. C'est avec ces roses. Yeah.